Salut à tous et bienvenue sur Vision High-Tech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons reparler d'applications. Nous allons reparler de news sur notre Google Home. Sur Vision High-Tech, on parle de Google Home, on parle d'Alexa, de déballage de produits, de tutos. Alors, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner en bas de la vidéo, de cliquer sur la petite cloche pour continuer à suivre ces vidéos de démo. On partage sur Vision High-Tech. On essaye de s'entraider, c'est le but. Alors surtout, venez partager vos connaissances avec tout le monde sur Vision High Tech. On va tout de suite passer sur les nouveautés Google Home et ses nouvelles applications. Allez, on va tout de suite commencer avec une nouvelle application sur l'étrange. Il va y avoir pas mal de jeux, pas mal de nouveautés dans cette vidéo. On va demander à notre Google Home de parler avec Étrange Quiz. Pas de problème, je vous mets en contact avec Étrange Quiz. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer quiz de culture générale amusant avec vous. Super, on y va. Une première question pour vous. Combien de branches y a-t-il sur une fourchette? 2, 3, 1 ou 4? Voilà donc Étrange Quiz. Vous allez donc pouvoir vous amuser en famille, entre amis et faire tout un tas de questions. On passe tout de suite à la seconde application et on va parler podcast. On va demander à notre Google Home de parler avec l'envol, le podcast. Très bien, je vous mets en contact avec L'Envol, le podcast. Bienvenue dans L'Envol. Vous allez écouter, Salomé était fonctionnaire, elle gère un drive tout nu. Si vous souhaitez changer de vie, que vous soyez salarié. Voilà donc vous allez pouvoir écouter L'Envol, le podcast, tout simplement en demandant à votre Google Home parler avec L'Envol, le podcast. On passe tout de suite à la troisième application. Et ici, on va parler avec la nouvelle application Citation du jour. C'est parti, parler avec Citation du jour. Pas de problème, je vous mets en relation avec Citation du jour. Créer, c'est aussi donner une forme à son destin, Albert Camus. Découvrir une autre citation? Oui. La peur n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre. Naguib Mahfouz. Découvrir une autre citation? Non. C'est noté. Au revoir et à très bientôt. Voilà donc citation du jour. Si vous avez envie de découvrir différentes citations, c'est l'application qu'il vous faudra à partir de votre Google Home. On passe tout de suite à la suivante. Et celle-ci va vraiment vous plaire. On va parler avec Tic Tac Musique, une application génialissime sur la musique. Allez, c'est parti. Parlez avec Tic Tac Musique. Très bien, je vous mets en contact avec Tic Tac Musique. Salut, je suis Tic Tac Musique. En jouant avec moi, vous allez pouvoir tester vos connaissances musicales. Si vous cherchez une expérience fraîche et fun et vibrer au rythme de la compétition, vous êtes au bon endroit. Souhaitez-vous jouer en solo, jouer entre amis ou connaître le règlement légal du jeu? En solo. C'est parti, question 1, une musique va se lancer. Dès que vous avez reconnu l'artiste ou le groupe, dites OK Google et donnez son nom. Mauvaise réponse, c'était Niska. Question 2. À bientôt sur Tic Tac Musique. Voilà donc Tic Tac Musique, vous allez vraiment vous régaler en famille, là aussi entre amis, vous avez pu entendre. Un concours entre vous et vos potes. On passe tout de suite à la prochaine application et on va continuer à parler avec citation. Mais ici, ça va être citation de Star Wars. Je vous mets en contact avec Citation de Star Wars. Bonjour, c'est l'heure du Citation de Star Wars. Attention, c'est parti. Une première question pour vous. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Ben Kenobi, Yoda ou Luke Skywalker? Au revoir. Voilà donc si vous êtes un passionné de Star Wars, donc citation de Star Wars va vraiment vous passionner au niveau des questions. Allez, on continue pour la prochaine, je vous ai dit, il y en a pas mal. Vous allez vraiment vous régaler dans cette vidéo, découvrir toutes ces applications. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description, sous la vidéo, tous les mots-clés qui seront dans cette vidéo. Alors pour toutes les personnes qui ont un téléphone sous Android, vous allez pouvoir aller dans toutes ces applications et si
jamais vous n'arrivez pas à les lancer à la voix, vous allez pouvoir les lancer manuellement. Par exemple, la prochaine qui s'appelle... Le grand cultu quiz, parler avec le grand cultu quiz, virgule lien. Par exemple, celle-ci est assez compliquée à dire. Si vous n'arrivez pas à la dire, vous allez donc activer cette application. Et lorsque vous allez ouvrir cette application à partir de votre smartphone, vous allez avoir un bouton qui vous dit « Envoyer vers l'appareil ». Envoyer vers l'appareil, ça veut dire que si je clique sur ce bouton, ça va demander instantanément à mon Google Home, sans que je n'ai quoi que ce soit à dire, la demande d'envoyer cette application. On va tout de suite le faire. Ok, voici le grand culture quiz. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer quiz de culture générale amusant avec vous. Attention, c'est parti. Inspirez profondément, c'est votre première question. Combien de temps dure le mandat du président des États-Unis? 5 ans, 3 ans ou 4 ans? Si, on va parler avec bébé. Ok, je vous mets en relation avec parler bébé. Parler à l'adorable bébé, c'est bien de poser des questions. On va donc parler maintenant avec une application Wiki de sensibilisation générale. Allez, c'est parti, on y va. Très bien, je vous mets en relation avec Wiki de sensibilisation générale. Bonjour. C'est l'heure du wiki de sensibilisation générale. Attention, c'est parti. Inspirez profondément. C'est votre première question. Qui a composé la musique pour le film 1969 Les aventures de Goupy et Baga? Satyajit Ray, Ravi Shankar ou Shivari? Voilà, donc cette application est très intéressante aussi à tester. Dites-moi d'ailleurs, quand vous testez ces applications, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'elles ont fonctionné chez vous? Ça m'intéresse vraiment, donc n'hésitez pas en commentaire. C'est toujours bon à savoir et de partager, car comme vous savez, sur Vision High Tech, on partage toutes nos connaissances. On passe tout de suite à la suivante. Donc, parler jeu international de football. C'est parti. Envoyer vers l'appareil, virgule bureau, salle à manger, virgule élément de menu, bureau, virgule élément de menu, double appui, envoyer à bureau. Ok, je vous mets en contact avec Jeu Questionnaire International de Football. Super, ça me fait tellement plaisir de jouer quiz de culture générale amusant avec vous. Ok, on y va. Première question, qui du suivant a reçu le ballon d'or ou le prix du meilleur joueur à la Coupe du Monde de la FIFA 2014? Pogba, Messi ou Lionel Messi? Mais voilà donc. Là aussi, si vous aimez le foot, il y en aura pour tout le monde dans cette vidéo au niveau de ces différentes applications. On continue pour la prochaine. Envoyer vers l'appareil. Bureau. Virgule. Envoyer à bureau. Très bien. Je vous mets en relation avec Quiz de l'espace éblouissant. C'est l'heure du quiz de culture générale amusant. Super, on y va. Une première question pour vous. Lequel des éléments suivants n'est pas un instrument d'optique scientifique? Microscope, endoscope ou périscope? On passe tout de suite à la suivante. Et on va parler dessin animé. C'est parti. Méga quiz dessin animé. Pas de problème. Je vous mets en relation avec méga quiz dessins animés. Bienvenue sur le méga quiz dessins animés. Vous devez deviner le nom des dessins animés à partir d'extraits de leur générique. Voulez-vous commencer une partie? Oui. C'est parti. Il fallait dire X-Men. Question suivante. Dans ma cuisine, je suis leur roi. Voilà donc, méga quiz dessin animé, vous allez pouvoir vous amuser cette fois-ci avec vos enfants et ça peut être vraiment super sympa. On passe tout de suite à la prochaine. On continue toujours dans les quiz et cette fois-ci ça va être pour les geeks. On va parler méga quiz tech. Très bien, je vous mets en contact avec Merveilleux Quiz Tech. Bonjour, c'est l'heure du quiz de culture générale amusant. C'est parti, inspirez profondément, c'est votre première question.
Récemment, Google a dévoilé un service de diffusion en continu de jeux vidéo appelé Gévidu, Stat ou Nuit Bleue. Cette question numéro 2, c'est reparti. Quelle application de réseau social a lancé une fonction de vérification des faits pour lutter contre les fausses informations relatives aux élections de l'Oxaba ? WhatsApp, TICTAC ou Facebook ? Avec cette application, si vous êtes un geek, si vous aimez les nouvelles technologies, vous allez vraiment vous régaler. On passe tout de suite à la prochaine et on va demander à notre Google Home de parler avec Société Générale. Très bien, je vous mets en relation avec Société Générale. Bonjour et bienvenue chez Société Générale. Je réponds à vos questions sur nos produits et services bancaires du quotidien. N'oubliez pas, pour toute question relative à votre situation personnelle, vous pouvez contacter nos conseillers via mes canaux habituels. C'est parti. Voilà donc Société Générale, si vous faites partie de cette banque, vous allez pouvoir poser différentes questions à ce iRobot. On part sur la prochaine application. Envoyez vers l'appareil bureau. Pas de problème, je vous mets en relation avec Mémoire Cartoonish. Salut, comment allez-vous? Voulez-vous savoir sur votre personnage préféré? Il suffit de dire option ou simplement de dire le nom de votre personnage. Option. Vous pouvez connaître n'importe quel personnage de dessin animé, Bugs Bunny, Homer Simpson, Mickey Mouse, Bart Simpson, Tom et Jerry, Donald Duck, Shin-Chan, Bob l'éponge. Mickey. Comme Walt Disney se plaisait à dire, tout a commencé avec une souris. Mickey Mouse a fait ses débuts en 1928 avec Steamboat Willie, exprimé... Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur Cartoonish, sur toutes les vedettes qui ont fait notre petite enfance, eh bien, parlez avec cette application. Voilà donc pour cette petite vidéo. Va suivre donc dans les prochains jours, comme d'habitude, une nouvelle vidéo, car il y a eu pas mal d'applications et je ne voulais pas vous faire une trop grosse vidéo. J'espère que pour l'instant, celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, à vous abonner sur Vision Hightech pour continuer à partager tout notre savoir. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous et à bientôt.